Que la fête commence. Pour la première idée, tu as besoin d'une petite boîte. Coupe les coins pour que la boîte s'ouvre lorsque tu retires le couvercle. Couvre la surface avec des carrés de papier mousse scintillant. Prends des morceaux de ruban. Fixe des cœurs sur les côtés. Mets des sachets de café instantané et de cappuccino sous les rubans. Pour ajouter encore plus de douceur, mets aussi des chocolats et des barres chocolatées. Place une serviette et une tasse au milieu. Referme la boîte et remets le couvercle. Ajoute des images de tasse à café. Noue un ruban en satin autour du couvercle. C'est un cadeau parfait pour les amateurs de café. Ta copine est super impatiente de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle retire le couvercle et waouh, c'est tout ce que je préfère! Quelle belle surprise! Recevoir des lettres, c'est toujours très réconfortant et amusant. Mets une carte dans une enveloppe, celle-là. Prends un bouchon de liège et un bouton gravé. Fixe-le sur le bouchon. Ensuite, tu as besoin de deux branches de lavande séchée et de crayon. Fais chauffer un crayon avec un briquet et mets des gouttes de cire sur la lavande. La cire se solidifie et scelle la lavande sur le papier. Presse le bouton dans la cire. Teinte le seau avec de la poudre nacrée. Le résultat est une enveloppe avec un seau de cire scintillant et des fleurs séchées. Je me demande à qui cette belle enveloppe est destinée. Et maintenant, prends un flacon en verre et un ruban en satin rouge. Noue le ruban en haut du flacon. Verse des paillettes par un entonnoir. Alterne les couches pour créer des bandes multicolores. Colle une étiquette « poussière magique » dessus et un cure-dent avec une étoile. Découpe des étoiles dans un morceau de papier mousse scintillant. Colle-les ensemble. Ajoute un bâton à l'aide d'un pistolet à colle. Place la baguette magique dans la fiole remplie de paillettes. Ce flacon magique sera un cadeau merveilleux pour les personnes qui croient aux fées. Oh, je crois que la magie a fonctionné. Mon coup de cœur m'a remarqué. Ensuite, prends une feuille de papier mousse rouge. Pose un livre au milieu. Replie les côtés et fixe-les avec du ruban adhésif. Maintenant, fais les bords. Prends de la peinture acrylique rouge et des balles de ping-pong. Peins les balles en rouge. Fixe un morceau de papier mousse blanc sur le livre. Colle les balles dessus. Découpe des feuilles et des tiges dans du papier brillant vert. Colle les feuilles au-dessus des cerises. Décore la couverture avec des phrases positives. Les cadeaux faits maison sont toujours spéciaux. Un livre avec une couverture créative sous forme de cerise mettra un sourire sur ton visage et te mettra de bonne humeur pour toute la journée. Voici une autre idée de bricolage. D'abord, trace le contour d'un diamant sur un morceau de carton. Découpe-le. Découpe-en un deuxième. Découpe les mêmes formes dans du papier brillant vert. Dessine les facettes du diamant. Coupe-les le long des lignes. Colle les morceaux de papier brillant sur le carton. Découpe des morceaux de papier mousse aux dimensions des morceaux de carton. Colle le papier mousse sur le carton. Place un brillant à lèvres, un vernis à ongles et une petite lime à ongles sur le diamant. Colle des parois en carton. Attache maintenant la deuxième partie. Colle un morceau de papier mousse pour pouvoir soulever le couvercle. Décore la boîte avec des autocollants amusants. Toutes les filles adorent les bijoux. Ce diamant fera donc un super cadeau. Même si les vrais cadeaux sont à l'intérieur du diamant. Et maintenant, tu as besoin d'une boîte en carton. Trace une ligne et fais une entaille. Compte combien d'argent tu souhaites offrir. Pose les billets en rang. Joins-les avec du scotch. Coupe-le. Utilise un crayon pour enrouler les billets comme ceci.
Place le rouleau dans la boîte et passe le dernier billet par la fente. Prends des morceaux de papier mousse. Trace un demi-cercle. Découpe-le. Dessine une langue avec un marqueur. Fixe la langue sur le billet. Colle des yeux. Décore la boîte avec un gros nœud. Regarde, c'est une boîte amusante avec une langue. Si tu tires la langue, un ruban de billets apparaît. Oh. Se faire offrir de l'argent, c'est toujours utile. Après tout, celui qui recevra ce cadeau peut maintenant acheter tout ce qu'il veut. Et maintenant, on va t'expliquer comment faire quelque chose d'intéressant avec un verre à vin ordinaire. Peins la tige du verre avec de la peinture acrylique rose. Applique plusieurs couches. Prends des paillettes rouges. Couvre la tige du verre avec. Tu as maintenant besoin de grosses paillettes et de confettis. Verse-les dans le verre. Mets tes bonbons préférés dans le verre. Un emballage créatif, c'est bien plus impressionnant qu'une simple poignée de bonbons. Est-ce que tu sais comment présenter une bouteille de vin comme cadeau? Tu as besoin de ruban mousse double face. Colle des bandes de ruban dessus pour former des anneaux. Retire la couche protectrice. Prends des fleurs artificielles. Attache les tiges de fleurs tout autour. Enroule une corde autour de la bouteille. Utilise du tulle pour décorer. Pose un morceau de tulle sur la table. Place la bouteille au milieu. Rassemble le tulle autour de la bouteille. La touche finale est un nœud en satin. Ce bouquet pour une soirée entre filles est prêt. Deux cadeaux en un. Du vin délicieux et une superbe décoration. Et si tu la combines avec un verre de bonbons, ton ami va certainement adorer ce bouquet de vin. Pour cette idée, prends une boîte et un morceau de carton et imprime la couverture d'un manuel de biologie. Fixe la couverture sur le carton. Coupe ce qui dépasse. Fixe le couvercle sur la boîte. Décore le fond de la boîte avec du papier scrapbooking coloré. Tu as maintenant besoin de cure-dents et de mini chamallows. Enfile les chamallows sur les cure-dents. Tu obtiens des mini brochettes sucrées. Prends deux bonbons en forme de bâton. Pique les brochettes dans le bâton. Place un deuxième bâton au bout. Enroule-le en spirale. Mets-le dans la boîte de biologie. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une molécule d'ADN comestible! J'ai jamais goûté à ça avant! Tu veux savoir comment décorer une boîte ordinaire? Découpe un carré dans une feuille de papier. Dessine le schéma de la boîte. Emballe la boîte dans le papier. Fixe-le avec du scotch double face. Attache une petite boule de fil. Forme un cœur avec le fil. Colle le cœur dessus. Coupe le fil qui dépasse. Dessine une tête de chat avec un marqueur noir. N'oublie pas de dessiner les griffes. Les chatons adorent jouer avec des boules de laine. Insère un cure-dent en guise d'aiguille à tricoter dans la boule. Le résultat est une boîte avec un motif amusant. C'est vraiment trop mignon! Pour cette idée, prends un morceau de papier mousse brillant et un modèle d'appareil photo en papier. Découpe le papier mousse suivant le modèle. Ajoute une image colorée. Il est temps de voyager. Découpe un cercle et décore l'appareil avec du papier mousse scintillant. Ajoute des détails pailletés. Dessine un film d'appareil photo sur une bande fine de papier. Découpe des images de lieux connus. La Statue de la Liberté, la Tour Eiffel, la Tour de Pise et Big Ben. Colle les images. Colle une flèche en papier mousse. Fixe une bande de papier mousse à l'arrière de l'appareil photo. Passe la flèche avec les photos dessous. Colle un deuxième appareil photo en papier mousse par-dessus. Tire sur la flèche pour faire apparaître le film avec tes photos de voyage de l'appareil scintillant. Offre-le à une copine en donnant des instructions. Tu dois visiter ces endroits cette année.
Ah. On n'a jamais trop de cadeaux, donc voici une autre idée. Dessine un schéma de boîte sur un morceau de carton. Découpe-le. Plie-le le long des lignes. Plie la boîte en carton. Colle-la. Garde le couvercle de la boîte ouvert. Prends des morceaux de papier mousse. Colle-les sur la boîte. Ajoute des cercles colorés. Fais un trou carré dans la paroi avant. Colle une porte en plastique. Mets du papier mousse scintillant au fond du four. Fixe une poignée colorée. Fixe une étiquette de félicitations et des boutons en strass. Mets un vrai cupcake dans le four. Un délicieux cupcake fraîchement sorti du four sera le cadeau idéal pour une amie gourmande. C'est un petit cadeau, mais il fera le bonheur de ta copine. Je déteste oublier l'anniv d'une copine et devoir trouver un cadeau à la dernière minute. Qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir ? J'ai une idée ! Prends un ruban rose. Enroule-le autour de toi. Ajoute un nœud en tulle et une étiquette indiquant « Je suis ton plus beau cadeau ». Imprime un certificat pour des câlins gratuits. Ton ami en a assez d'attendre. Et me voilà avec un cadeau unique. Quoi de mieux qu'un gros câlin d'une amie ? Tu as aimé nos idées de cadeaux ? Dis-nous dans tes commentaires lesquels tu vas faire à tes potes. Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo et de la partager avec tes amis. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des idées utiles de Troom Troom.